Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cuisine et Jardinage de Mina. Comme vous voyez, je suis dans le jardin. Je vais cueillir les framboises rouges. J'ai déjà cueilli les framboises jaunes et là j'attaque les framboises rouges. Elles sont bien mûres et au lieu de les laisser se perdre, hein, une fois qu'elles sont mûres, il faut les cueillir. Elles sont très fragiles. C'est un fruit qui n'attend pas en fait. Une fois qu'il est cueilli, il faut qu'il soit mangé les 2 premiers jours. Après, il s'abîme. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai cueilli depuis tout à l'heure. Framboise jaune et framboise rouge. C'est un fruit que tout le monde aime. On peut faire de la confiture, des tartes avec, des petites tartelettes ou des grandes. Et c'est vraiment délicieux. Délicieux, délicieux. C'est des petits fruits qui donnent. Moi, ce framboisier, c'est un framboisier qui donne de là, hein, de mois de juin, début juin, jusqu'en novembre. C'est un framboisier montant. Franchement, je préfère ces petits arbres fruitiers que des grands arbres fruitiers. Parce que il n'a pas beaucoup de prédateurs. Il n'y a pas beaucoup de bébêtes qui l'attaquent. Ce qui fait que ben, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps, tout le temps. Vous voyez, il y en a partout. Oups. Il est tombé. Bon, on va peut-être aller de l'autre côté. Voyez, il suffit de soulever, puis hop. C'est celles qui sont bien mûres, hein. C'est pas forcément aller rouge, il faut la cueillir, hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, celles-ci, elles sont bien mûres. Il faut les cueillir. Quand ça vient tout seul comme ça, c'est que c'est bien mûr, vous pouvez cueillir. Voilà, comme ça, tranquillement. Et celles que vous essayez de tirer et puis qu'elles ne viennent pas, c'est qu'elles ne sont pas mûres. Voilà. De ce côté-là. Il y en a aussi pas mal. Voilà. Par là aussi. Donc en fait, il y en a partout à toutes les branches. Faut bien regarder, bien pousser les branches. Là, il suffit juste de tourner comme ça et vous voyez, elle est très belle. Regardez. Bon, il y en a qui ne sont pas encore mûres, celles-ci. En fait, vous avez plusieurs niveaux, en fait, si je peux dire ça comme ça. Il y a des rouges, il y a des moyennes, puis il y a des vertes. Avec les framboises, plus vous cueillez et plus ça mûrit. C'est pour ça que dès qu'elles sont mûres, il faut les retirer. Toutes celles que vous voyez ici, là, voilà, j'en ai cueilli en haut. Et vous voyez celle-ci, là, voilà, on a pas mal. Il y en a partout, partout. Voilà, elles sont cachées là.
On va leur faire ça. Voilà. C'est bien caché. Voici ma cueillette. Donc, c'est bon. Bon, ça fait à peu près 600 grammes. Donc voilà. C'est des fruits qui poussent sans produits chimiques, bien sûr. À part les arroser d'eau, c'est tout ce qu'on fait. De temps en temps, pas toujours. Parce que franchement, là, je les ai arrosés qu'une seule fois. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous aimez, bien sûr. Et à une prochaine vidéo.